Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jiboul et aujourd'hui on est reparti pour faire un point concernant le drama. Une vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, voilà, qui a fait beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions et merci d'ailleurs pour tous vos retours, c'était génial. Du coup on va faire un point, pas mal de petites choses, pas mal de nouveautés, mais avant tout, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 1K, d'accord, les 1000 abonnés, donc merci, hein, ce serait jamais arrivé grâce à moi uniquement, hein, c'est vraiment grâce à vous tout ça. Donc merci à vous, merci d'être fidèle à la chaîne, d'être de plus nombreux à me suivre, à commenter, à partager, à mettre des likes. Voilà, c'est grâce à vous que la chaîne grandisse. Et pour autant, du coup, j'ai investi un petit peu, parce que j'ai envie de vous faire, j'ai envie de vous proposer plein de choses à côté, même des vidéos encore de meilleure qualité, des lives aussi. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc là, j'ai acheté un matos, j'ai acheté voilà, une vraie tour gaming, etc. Enfin, un vrai setup. Du coup, je devrais le recevoir aujourd'hui. Donc, t'en installer, t'en faire tout ça, etc. J'espère vous préparer les choses très bientôt par rapport à tout ça. Et puis, pareil, hein, je pense qu'on verra ça aussi. Dès qu'il y a pas mal de vidéos à faire, mais dès qu'il y aura un peu de moment de calme, je ferai voilà, une petite vidéo voilà, pour vous remercier concernant évidemment les 1000 abonnés. Revenons du coup à nos moutons. Du coup, à nos killers de farmer, avec ce que vous voulez. Du coup, il y a pas mal de nouveautés hein, qui ont été faites en 48 heures. Ça, du coup, je fais une petite update. Donc, du coup, on a commencé à but d'ici, d'accord? Le but, à mon avis, alors, on n'a pas de message particulier, mais je pense que le but, c'est d'arriver à aller détruire ceci, d'accord? Le fort de Mag. La fameuse Julia, ici, d'accord? Bon, bah, elle, que vous dire elle ne fait rien, voilà. Elle reste sur son téléphone, je vous jure, c'est vrai. Elle reste sur son téléphone là, en tout cas aujourd'hui. Elle reste sur son téléphone comme ça, elle attend. Dès qu'un mec qui passe, elle sort ses 5 troupes, elle rentre. Et elle attend, elle attend, elle attend. Enfin, c'est incroyable quoi. La meuf, elle fait rien de ses journées à part ça. Elle sait pas de farm, elle sait pas de résoudre, elle sait pas de. Il n'y a rien qui fait quoi. C'est en gros, elle met l'alliance dans la merde. Et puis après, c'est en gros, démerdez-vous quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et après, elle se dit, oh regardez les gars, moi j'ai fait 7 millions, etc. Et tout. Enfin, après, elle vient pavaner, etc. Pour se prendre des fleurs pour dire oh bravo, bien joué, t'as tué 7 millions de personnes, bien joué. Enfin voilà quoi. Donc vraiment, le personne de type useless, je l'aime vraiment pas. Je crois que d'ailleurs personne ne l'aime. C'est un truc de ouf. Et qui crie oh Néphisto, Néphisto, mon ami, tu nous as quitté, etc. Et qu'après, elle a fait la meuf qui était genre hyper choquée. Oh mais non, j'y crois pas et tout, tu as brisé notre amitié. Enfin voilà. Enfin, vraiment, genre drama queen, on pourrait l'appeler comme ça, quoi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, voilà, il y a ceci. L'alliance, du coup, qui a été également. Enfin, l'alliance de farm, où ils ont pris pas mal de zéros, d'accord? Ils ont réussi à reconnecter leur territoire, donc ça, c'est une bonne chose. Donc, du coup, ils sont à nouveau safe. Donc, du coup, on est content. Je suis content parce que, vraiment, pour le coup, il n'y a pas que nous qui se sont mobilisés. Il y a vraiment beaucoup de teams, hein, d'accord? Alors. Genre, on va dire, est-ce qu'il y a RIP, eux? Alors, eux, non, ils n'ont rien fait, hein, ils sont totalement neutres. Par contre, ETM, ETM, ETS se sont mobilisés. Merci à eux, hein. Il y a des Français d'ailleurs qui regardent la vidéo, donc merci à vous, franchement, en tout cas pour les farmers, c'est super. Du coup, on a vraiment nos big, big baleines hein, qui sont partis chez eux, donc Néphisto et ses comptes, avec ses potes, sont partis là-bas pour vraiment aller défoncer les mecs en face. Et pour voir que. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah mais bizarrement, il y a des châteaux sans territoire. Et oui, parce que cette nuit, alors ça arrivait vers 4-5 heures du matin, les deux drapeaux ont été enlevés et les joueurs ont été zéro. Il y a eu, d'après ce qui a été dit, il y a eu une quinzaine de joueurs qui a été zéro. Donc des mecs allant de 12 à 50 millions, d'accord, qui se sont fait zéro. Dont certains, je pense, ont envie de départir de mémoire. J'avais vu un ou deux passer, je crois qu'ils devaient partir chez BDO. Donc voilà, BDO vont sûrement récupérer des joueurs 0 à 3 jours de la fin de la saison 1. C'est super, c'est totalement con, je trouve, de se faire 0 à 3 jours de la saison. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est tant pis pour eux, hein. Il fallait faire attention déjà d'une part, et puis voilà, fallait pas faire les malins. Quand il y a quelqu'un chez moi qui fait malin, tombe dans le ravin, bah là, du coup, t'as plus rien, mon pote. Alors après, le jeu est bien fait, hein, parce que quand t'es 0. Tu perds des morts, mais tu as quand même beaucoup de troubles dans les hôpitaux. Et c'est plutôt ça qui est chiant, c'est que du coup, bah, il faut re-soigner, quoi. Et du coup, tu as quand même pour plusieurs jours. Hein. Donc, voilà. Ok. Excusez-moi, je suis plus 3h30 du matin.
Donc ouais, il y a eu quand même beaucoup de joueurs zéro. Ah, c'est bien, voilà, c'est ce que j'attendais. Ils ont attendu un peu, alors, je sais pas pourquoi ils sont partis à droite. Mais voilà, du coup, ils vont continuer pour aller là et pour aller là, voilà, pour continuer à zéro les mecs, évidemment. Alors, très drôle, qu'est-ce qu'a envoyé un des leaders de la team, G-Dai, alors ils sont appelés G-Dai maintenant les mecs. Donc du coup, bah, ils ont voulu faire le retour du G-Dai, maintenant c'est plutôt la mort du G-Dai avec ce qui se passe. Et le leader a dit, en gros, ah bah on s'est fait attaquer pendant notre sommeil, merde, voilà. Du coup, c'est pas la fin du monde, bah non, c'est pas la fin du monde sur zéro, ça c'est quand même un jeu, c'est sûr, mais bon, ça fait chier quand même. et ils disent protégez vos farms. Voilà, super, super conseil, super leader. Donc franchement, on est vraiment sur une top alliance Jedi. Franchement, GG à eux. J'espère vraiment que ça va aller vraiment encore plus loin. De toute façon, ils sont bloqués, hein. Ils sont bloqués là et ils sont bloqués là, d'accord. Donc le but c'est vraiment les tuer au maximum. Après, ils peuvent aller plus loin, je crois. Hein. Il y a un truc, quoi, je crois plus loin. Non, même pas. Ah non, c'est vraiment leur dernier. Ah, c'est peut-être leur dernier, je sais plus. En tout cas, bon, on pourra jamais tuer zéro jusqu'au dernier, c'est impossible, hein, mais on les fait chier au maximum. Quoi. Et pareil, alors pareil, les mecs, ils se disent, oh, on va aller dans une zone qui est un peu moins safe. Ok, très bien. Commencez pas à vous plaindre, les gars. Vous avez fait des choses pas très proprement, on va dire. Hein. Vous attaquez une femme, vous allez vous, comment dire, vous limite raser une alliance de femmes pour X ou Y raison parce que ça vous plaît pas, pour foutre le bordel dans le serveur. Et après, derrière, quand vous faites zéro ou autre, vous vous repliez en farm, mais en territoire hostile, venez pas pleurer, venez pas m'écrire des messages pour me dire « Ah ouais, mais attends, m'attaque pas, etc. » Ben non, ça passe pas comme ça, les gars. Il faut assumer un peu ses actes, d'accord? Donc vous faites un peu de la merde, vous essayez un peu de foutre dans le serveur. Heureusement, malgré tout, on a quand même un noyau qui est assez dur chez BXS et d'autres teams, qui fait que du coup, ne croyez pas que le serveur est mort. Bien au contraire, il n'est pas mort. On reste quand même un gros serveur, d'accord? Alors après à voir ce qui va arriver sur les serveurs futurs, d'accord? Mais à ce jour, on reste quand même un gros serveur, d'accord? Donc ne pensez pas ça. Et arrêtez de vous plaindre, du coup, de vous dire, ah ouais, mais vas-y, arrête d'attaquer mes femmes, arrête de m'attaquer, etc., etc. Écoutez, c'est pas en gros, voilà, j'attaque quelqu'un, enfin, c'est pas comment dire. C'est pas en gros, voilà, vous allez attaquer quelqu'un quand vous voulez, vous avez zéro des alliances quand vous voulez, d'accord? Et puis après, convaincez de vous reposer. Vous dire, ah bah non, attends, et pousse, moi je me repose, que je farme, on combat après. Ça se passe pas comme ça, les amis. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Si vous voulez faire ça, vous allez jouer à Farmville ou vous voulez jouer à la belote, les gars. Mais ça se passe pas comme ça sur le jeu, d'accord? Et puis surtout, avec les actes que vous avez fait, faut pas s'étonner que derrière, après, tout le monde veut vous attaquer, tout le monde veut vous raser, tout le monde veut vous zéro. Hein. Quand, au bout d'un moment, vous avez quand même quasiment une partie du serveur qui est contre vous et que du coup, la pomme pourrie, Julia, là, il y a tout le monde qui la déteste. Et que juste parce que le R4, parce que j'ai vu, hein, j'ai vu quand même un message du R4, voire R5 de Jedi, donc du coup ils ont renouvelé, hein, qui était anciennement le W, il a passé un message sur le Discord disant, ouais en gros je m'en fous de ce que vous pensez, moi Julia c'est ma copine, c'est ma pote, et donc du coup je la soutiens. Voilà. Donc en gros le mec il se met direct tout le monde dans la sauce parce qu'il est pote avec une meuf qui fout le bordel, et voilà. Faut pas s'étonner après, voilà, remettez-vous un peu en question et venez pas vous plaindre quoi quand on attaque, genre quand on vous empêche de farmer, sachant que vous n'avez aucun scrupule derrière de déconnecter des régions alors qu'ils avaient rien demandé, qu'ils sont pisse depuis le début pour après les zéros quoi. Enfin, vraiment, faut pas non plus pousser mémé dans les orties quoi. Surtout qu'en plus, j'ai eu un retour d'une personne sur une des vidéos YouTube qui disait comme quoi, en fait, depuis le début, ils ont toujours été menacés. D'accord? En gros, vous faites ci, sinon on va vous zéro. Vous faites ça, sinon on va vous zéro. Toujours, toujours la menace. Et ça, je trouve que c'est pas bon, c'est toxique, pareil. C'est parce qu'on est grand qu'il faut dire, alors tu fais ce que je te dis, sinon je te zéro. Ça marche pas comme ça. Faut pas faire comme ça. Le but, c'est d'unifier les gens, c'est de garder, c'est de créer des relations, c'est de faire grandir le serveur, garder les joueurs qu'on a. Au dépend de toujours, toujours, toujours tout migrer quoi, pour après, hop, on lance un truc stable, solide, et après on monte ensemble quoi. Et voilà, donc du coup, à force de faire menacer, bah, pour une raison de merde, ils ont été déconnectés, ils ont rien demandé à personne, ces gens-là, et puis voilà. Donc voilà un peu la petite info, voilà, enfin voilà, sur le drama. Je pense pas qu'il y aura de nouvelles choses concernant le drama, ce drama, en tout cas, je pense qu'on arrive vers la fin, parce qu'on arrive sur la fin de saison. Les alliances. Alors peut-être à voir comment les alliances vont être recréées, comment ça va se passer. Ça sent le fight, ça sent le fight, les petites bastons, à voir comment ça se passait. Mais
Est-ce qu'on a la paix? J'ai envie de vous dire, à ce jour, maintenant, on a plus ou moins la paix. Hein, parce que, bon, ils ont compris que du coup, bah, on ne le lâchera pas, quoi. Jusqu'à quand? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question, et je sais pas. Donc, on verra bien ce qui va se passer quand les alliances vont disparaître, d'accord? À l'arrivée aussi de la nouvelle saison. On va voir un peu comment ça va passer. De toute façon, je vous filmerai tout ça, je vous tiendrai au courant, évidemment. En tout cas, merci encore à tous de me suivre. Merci encore de me donner, voilà, de force, de partager, de liker, de s'abonner, voilà, continuer comme ça, c'est super, c'est grâce à vous que du coup la chaîne grandit et que du coup on peut arriver à faire des choses sur simplement votre soutien, pas forcément un soutien financier, mais juste voilà, de votre soutien comme vous faites. Franchement, merci beaucoup à vous pour tout ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, bon courage pour la fin de la saison 1. Hein. Vous pouvez voir que ici le petit logo qui apparaît, hein, donc fin de saison 2, voilà. Donc voilà, donc bon courage à tous et on se retrouve, je vais vous dire, pour du fight en saison 2. Ciao.